pas roumain, donc je suis accompagné de Nadine qui va faire la traduction simultanée. O să fiu însoțit de Nadine Vladescu, care va face traducerea, interpretarea în română. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'être là. Permiteți-mi de toate să vă mulțumesc că sunteți aici și să vă spun că sunt foarte fericit să mă aflu alături de dumneavoastră din două motive. La première, c'est que j'ai une empathie particulière pour la Roumanie parce que je connais assez bien le pays. Fantastică față de România, este o țară pe care am vizitat-o adesea. J'y suis venu plusieurs fois depuis la chute du communisme. J'ai donné beaucoup de conférences. Am ținut multe conferințe. Et donc j'ai à vous connaître un peu mieux que les autres. Am învățat să vă cunosc puțin mai bine decât pe celelalte popoare foste comuniste. La deuxième raison est presque plus importante. Al doilea motiv este poate mai important decât primul. Este prima dată sur cette histoire mondiale du communisme dans un pays qui a été communiste. Asupra acestei istorii mondiale a comunismului într-o țară care a cunoscut comunismul. C'est une première pour moi à cette minute même. Este o premieră pentru mine chiar în acest moment. Donc c'est quelque part assez émouvant. Deci este un lucru emoționant. Finalement, ce que je raconte, vous l'avez vécu. Donc, à la limite, je n'ai rien à vous apprendre. Mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai parce que vous avez votre expérience. Et je pense que ce livre, justement, apporte un panorama le plus complet possible de toutes les expériences communistes. Et si vous vous donnez la peine de rentrer dans ces livres, ne soyez pas d'abord effrayés par la grosseur. Pour une raison simple, c'est qu'on peut zapper dans le livre, on peut passer d'un chapitre à un autre, on peut regarder la table des matières qui est très détaillée et aller à ce qui vous intéresse. Il y a beaucoup d'encadrés aussi. Donc, ne soyez pas effrayés par ça. Mais justement, et j'en reviens à ce que je vais vous lire, c'est qu'avec ce brossage général de ces pays, sous la forme d'un récit, je tiens à préciser que c'est un récit sur un livre universitaire, c'est vraiment que j'ai essayé, quand j'ai vendu ce projet, si je puis dire, à mon éditeur à Paris il y a 10 ans maintenant, je lui ai dit je veux emmener le lecteur dans cette histoire. Cette histoire dramatique. J'espère y être arrivé, en tout cas, vous me direz à la lecture si je suis arrivé, en tout cas ça a été mon souhait. Alors, vous avez une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi vous vous êtes intéressé à ça. Alors je me suis intéressé depuis très longtemps au communisme. C'est une longue histoire, en vérité, c'est une histoire qui a commencé dans ma vie il y a plus de 50 ans, presque 50 ans, plus 50 ans en vérité, j'avais 17 ans. Et depuis, je me suis toujours intéressé à ça pour une raison simple, c'est que Gabriel l'a dit tout à l'heure, c'est que j'aime les hommes, c'est vrai, j'aime l'être humain. J'aime l'humanité. Et j'ai compris très jeune que ce système-là était absolument contre l'humanité. Que si on aime les hommes, on est forcément contre ce système-là. Donc, j'ai eu la chance, si je puis dire, de voyager derrière l'ordinateur à l'époque où il disait encore, en tant que journaliste. J'ai rencontré énormément de dissidents. À l'époque, c'était dans les années 70. J'étais très jeune à l'époque. Et ces gens-là m'ont offert quelque chose d'extraordinaire, c'est une compréhension totale du système, avec leur connaissance intérieure du système. Non seulement ils en connaissaient le système, mais ils luttaient contre le système. Et comme je dis souvent en termes d'image, c'est comme si vous regardez le ciel, vous voyez toutes les étoiles, et eux ils m'ont donné à regarder le ciel, mais ils m'ont donné des étoiles pour se déplacer, et pourquoi elles se déplaçaient comme ça. La compréhension des étoiles. Et sans cette expérience, il est clair que je n'aurais pas pu écrire ce livre. J'ai peut-être mis 10 ans à écrire ce livre, c'est vrai, j'ai mis 10 ans à écrire ce livre, mais sans les 40 ans précédents, mes connaissances et ces rencontres, je n'aurais pas pu faire ça. Maintenant, pourquoi m'y être mis? Pourquoi moi? Vous savez, c'est un hasard de la vie, vous savez, c'est la grâce qui vous tombe du ciel, si je puis dire. Ça n'existait pas. Ce livre n'existait pas. Personne n'avait pensé à écrire un récit complet du communisme dans l'histoire du XXe siècle. înainte, bineînțeles, sarcina aceasta a căzut în câtva mea, trebuia eu să scriu acest lucru și vorbesc de un imperativ categoric. Așa cum spune Kant, imperativul categoric, ceva care s-a impus asupra mea. Prin urmare, m-am sacrificat, dacă pot spune acest lucru, am sacrificat 10 ani în viață, care sunt mai puțin importante decât 10 ani de viață în comunism. Deci este o experiență formidabilă de a mă arunca în această dramă absolută și, după cum a spus Gabriel Aceanu adineauri, ieri am fost emoționat când am vorbit la RFI despre foamete. Este adevărat că nu poți să rămâi neutru într-o astfel de poveste, pentru că drama este una multiplă, este una foarte mare și să citești despre ele, despre lucrurile acestea este grav, dar să scrii despre ele este și mai grav. Aș vrea să intru puțin în detaliile structurii acestei cărți, cum funcționează ea. Întâi de toate, mulțumesc lui Gabriel Aceanu că a avut curajul, pentru că e vorba de un anumne curaj să traduce atât de repede o astfel de carte, pentru că a apărut în Franța acum 2 ani, deci este o apariție foarte rapidă în România. Primul tom pe care puteți să-l descoperiți astăzi este cel dedicat și este foarte important pentru istorie să spun că este vorba de o poveste cronologică. Deci în primul volum mă debarasez de cronologie, astfel încât în celelalte două volume vorbesc despre tematică. Deci în acest prim tom vi se povestește istoria comunismului în cele 27 de țări în care comunismul a fost prezent. Într-o povestire este vorba de o poveste care înglobează toate istoriile Rusiei, Chinei și celorlalte țări comuniste. Deci, mă debarasez de cronologie, începe cu lovitura de stat a lui Lenin din 1917 și se termină în 1979 în Afganistan. Aceasta este ultima cucerire a comunismului, Afganistanul, după care comunismul nu a înregistrat decât pierderi și căderi. Ce premier tom se débarrasse de la chronologie. Acest prim volum este cel în care mă debarasez de cronologie. Acest prim volum este istoria văzută de sus, este istoria puterii. Al doilea volum este istoria văzută de jos, victimele comunismului. Donc, et ça excusez-moi, c'est le tome que je préfère. Vous avez la chance de le découvrir, j'espère, dans un an, peut-être un peu plus. On n'est pas encore parlé avec Gabriel, mais de toute façon, il est sûr qu'il va être traduit. Ce deuxième tome, c'est celui que je préfère le petit peu plus, parce que c'est celui que je voulais faire à l'origine. C'était ça mon objectif. Excusez-moi, j'ai encore été ému. C'est-à-dire que je voulais montrer l'unité du système dans son malheur. Montrer que quel que soit le pays, quelle que soit la géographie du pays, quelle que soit l'histoire du pays, quelles que soient les classes de ce pays, ça a été un malheur et justement pouvoir raconter par les malheurs qui sont comparés des malheurs. Donc quand je parle des victimes, je parle de toutes les victimes. Je parle des paysans, je parle des intellectuels, je parle évidemment des gens qui ont été dans la concentration. Je parle de la vie quotidienne, des victimes de la vie quotidienne. C'est ce que j'appelle la dictature des besoins, parce que ça aussi, ça fait partie du totalitarisme. Justement, que les gens fassent des queues dans les magasins pour espérer avoir du pain, pendant qu'ils ont l'espère avoir du pain, ils ne pensent pas à autre chose. C'est la dictature des besoins. Tous les pays communistes ont utilisé la dictature des besoins. Je parle bien sûr de la vie de la nomenclatura, et puis je parle aussi du merci, les gens ont résisté, parce qu'il y en a qui ont résisté au communisme, tout le monde n'a pas été des moutons sacrifiés. Nu toți au fost oi sacrificate, au existat și rezistenți, au fost și oameni care s-au opus. Avem aici de față o doamnă care face parte dintre acești oameni, Ana Blandiana, care va spune câteva vorbe pe acest subiect. Cel de-al treilea volum din trilogia mea vorbește despre complici. Nu se poate înțelege succesul comunismului dacă ne oprim doar la țările care au fost comuniste. Aceste regimuri au avut atâta succes pentru că a existat foarte multă complicitate și dacă îi căutăm pe vinovați, aș îndrăzni să spun că toți suntem vinovați. Bineînțeles, unii sunt mai vinovați decât alții, dar cei care au închis-o, cei care n-au spus nimic, cei care au fost orbiți, cei care etc. Je ne parle pas uniquement des intellectuels, je parle des hommes d'affaires qui sont venus faire des affaires dans les pays communistes, je parle des hommes politiques qui sont venus ici, je parle du général de Gaulle qui est venu ici en 1968, par exemple. 5 votre dictateur, Ceausescu, alors que son pays était à feu et à sang, c'est ce que j'appelle les complices. Donc, je ne nous exclue pas, je ne nous exclue pas, quand je dis nous, les Occidentaux, ceux qui ont eu la chance de ne pas connaître le système communiste, je ne nous exclue pas de cette histoire. Nous sommes tous solidaires de cette histoire, nous sommes tous complices de cette histoire, donc c'est pour ça qu'elle est si difficile à regarder. C'est pour ça qu'elle est si difficile à regarder, parce qu'il y a bien sûr les victimes, il y a bien sûr les bourreaux, mais aussi les complices. Et donc, on n'aime pas quand on se regarde dans une glace se dire j'étais un salaud. Et quelque part, l'Occident a été salaud. Par amnésie volontaire, par aveugle volontaire, etc. Maintenant, du fait d'avoir passé tant de temps sur cette dramatique histoire, quel type d'enseignement je pourrais en tirer? Je dirais qu'elle offre deux possibilités de regarder l'humanité. La première est évidente, c'est, je dirais, la face noire de l'humanité, c'est-à-dire les dirigeants, les bourreaux, etc., le drame absolu qui s'est passé, et je vous assure que il y a des choses qui sont excessivement difficiles à lire, à écrire, bien sûr, que vous allez découvrir, que vous n'imaginez pas. L'introduction de ce livre, général, s'appelle Le pire est toujours certain. Parce que j'ai une théorie que je démontre, c'est que dans le communisme, le pire est toujours certain. C'est-à-dire que quoi que vous puissiez imaginer, vous êtes sûr que de toute façon ça s'est passé. Donc, dans cette face noire, elle est évidente, vous l'avez connue, vous l'avez vécue, c'est le côté oppressif, totalitaire, du système communiste. Mais il y a une face lumineuse aussi, Dieu merci, une face lumineuse. C'est l'humanité, c'est nous, heureusement. C'est ces résistants dont j'ai parlé, mais finalement, on a vécu son communisme, on a survécu son communisme. Donc, ça c'est une notion d'optimisme sur l'œuvre. Parce que ça veut dire que quelle que soit l'oppression qu'on lui fait subir, quelle que soit la façon dont on le mais il ne casse pas. Et le fait que ça ne s'est pas cassé, c'est que quand même, une fois que le communisme a disparu, on peut se redresser. Alors bien sûr, c'est difficile de se redresser. Et votre pays en est bien sûr le meilleur exemple. C'est très difficile de sortir du communisme. Mais laissez faire le temps, travailler à ce redressement, et tous les pays arriveront à sortir du communisme. Donc ça, c'est une leçon formidable de l'humanité. Tout à l'heure, Gabriel a parlé de la guerre civile permanente. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas mesuré vraiment. Parce que c'est quelque chose qui est absolument unique au monde dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que nous avons assisté pendant un siècle, au XXe siècle, à une guerre civile permanente, un État parti, quel que soit le pays, à livrer à son propre peuple une guerre civile. Jamais ça s'est passé comme ça dans l'histoire, aucun régime n'a fait ça de cette façon-là. Donc si on doit caractériser le communisme, on peut dire que la caractéristique essentielle du communisme, c'est cette guerre civile permanente qui a été livrée au peuple. Alors, qui sont les coupables? Alors j'ai dit que nous étions tous coupables, mais faisons quand même une hiérarchie, si je puis dire, une parade de la culpabilité, même si évidemment c'est assez escabreux comme exercice. Donc il y en a des qui sont plus coupables que d'autres. Bien sûr, on pense aux bureaux qui ont torturé dans des salles de torture, ceux qui ont mis des balles dans la tête, et qui en mettant une balle dans la tête, on oublie la cervelle qui éclate, la cervelle qui éclate, ces gens-là après allaient se laver et allaient avec une famille, et embrasser leurs enfants. Donc bien sûr, il y a cela, mais il y a aussi ceux qui ont pensé le système. C'est là aussi qu'ils sont parce que c'est plus coupable que les autres, parce qu'ils ont senti qu'ils ont pensé le système et ils ont finalement donné des armes idéologiques à ceux qui allaient devenir les exécuteurs de leur système. Dans ce hit-parade des méchants, si je puis dire, en tout cas des bourreaux, le numéro 1 sans aucun doute est Lénine, parce que Lénine a inventé le système. Lénine est l'inventeur du totalitarisme. S'il y a une chose qui doit rester dans l'histoire de l'humanité à propos de Lénine, c'est que c'est l'inventeur du totalitarisme. Les autres, Stalin, Mao, este faptul că el a inventat totalitarismul. Stalin, Castro, Mao, toți ceilalți au pus doar în practică ceea ce a gândit Lenin. Deci pe podiumul topului ororilor, numărul 1 este Lenin. Pe numărul 2 nu se pun pe Stalin, ci pe Mao. Nu pentru că el a făcut mai mult moș decât Stalin, ci pentru că există o latură foarte murdară și foarte vicioasă la Mao. Are o mică latură rea, este cineva de rea credință care vă mângâie pe spate, după care vă înfige un cuțit în spate. Deci este un personaj respingător. Și bineînțeles, pe locul 3 este camaradul său, Stalin, care a pus la punct sistemul datorită lui Lenin și care l-a uns foarte bine, astfel încât el să meargă după aceea. Va avea o mențiune specială, pentru că există în topuri mențiuni speciale pentru Khmerilor roșii, care în 4 ani, doar 4 ani, atenție, au reușit să omoare un sfert din o treime din populația lor, din populația Cambodgiei, și 7 milioane de români au murit. De asemenea, există mai mulți care fac parte din acest top. Nu sunteți numai dumneavoastră cei care au suferit, îmi pare rău să spun asta, mai există și alte națiuni roșii și cambogienii sunt și ei devină. Non. Admettons, alors, vous avez pas payé. Non. Admettons, j'ai fait une comparaison. Si jamais c'était ce système, c'était... Comparația era dacă 7 milioane de români ar fi murit așa cum au murit 7 milioane de cambogieni în timpul regimului Khmerilor roșii, ați înțelege ce înseamnă acest lucru, acela de a fi avut o treime din populație exterminată. Alors, tout ça, je le raconte dans ces pages-là, et j'espère quand même que vous aurez le... C'est parce que du courage, c'est un acte moral, c'est un acte moral pour moi de l'écrire, je dirais c'est un acte moral de le lire, presque ça. La question qu'on pose souvent, et je vais finir là-dessus parce que je voudrais que Ana dise quelques mots. On me dit souvent, est-ce que ça va revenir? Est-ce que le communisme risque de revenir? Je suis absolument formel à cette question. Je dis non. Non. Le communisme tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire dans sa forme marxiste-léniniste, tel qu'il est né le 25 octobre 1917, avec le coup d'État de... qui s'est achevé avec la chute de l'Union soviétique en 1991, ne reviendra pas tel qu'elle. Il reste bien sûr des pays communistes. Il reste la Chine, il reste la Corée, il reste Laos, il reste le Vietnam, il reste Cuba, et un petit dernier qu'on oublie toujours, c'est l'Érythrée. Qu'est-ce que c'est qu'un pays communiste aujourd'hui? C'est un pays qui a un parti unique communiste, une idéologie unique communiste. C'est le cas de pays que je viens de citer. Donc, cette forme-là, à mon avis, est terminée. Elle a appartenu à une phase de l'humanité qui est terminée. Maintenant, comme l'a dit très justement Gabriel, on ne peut pas comprendre le communisme si on ne comprend pas ce que ça correspond. Je finirai là-dessus, c'est pour ça que le communisme en tant que tel n'a aucun avenir, mais l'idée communiste a malheureusement encore de l'avenir sous une forme politique peut-être différente, mais qui, à mon avis, va continuer à vivre, mais elle n'est pas prête de se terminer, puisqu'elle appartient finalement à une partie de nous-mêmes, à savoir ce sentiment de cette volonté d'égalité que nous avons, qui a été, à mon avis, le point noir sur lequel le communisme a profité, le point noir que nous avons en nous, sur lequel le communisme a profité pour nous endoctriner, nous prendre. Donc, comme malheureusement cette tentation égalitaire, cet égalitarisme, quelque chose que nous avons tous, et depuis la nuit des temps, comme je le dis souvent, parce que la première égalité, c'est quand il y avait la guerre du feu, n'est-ce pas? Il y avait celui qui avait le feu et celui qui n'avait pas le feu. Donc, celui qui n'avait pas le feu était jaloux de celui qui avait le feu. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il a tué celui qui avait le feu pour pouvoir le feu. Voilà. Donc, c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Donc, malheureusement, de cet aspect-là, le communisme, ça ne s'appellera peut-être pas communiste, ça s'appellera communisme, à mon avis, beaucoup după părerea mea, comunismul încă are sub această formă un viitor. Apoi, dacă știm foarte bine istoria, suntem vindecați de această tentație egalitară într-o oarecare măsură. Deci vă ofer, dacă pot spune astfel, un punct de vedere diferit pentru acest rău care, din fericire, a murit. Îi dau acum cuvântul doamnei Ana Pladiana pentru că cred că vrea să vă spună câteva lucruri și vă mulțumesc pentru atenție.